Au début, il n'y avait rien que ténèbres néant. Mais, soudain, naquit un œuf. Ou devrais-je dire, apparaît un œuf. De cet œuf naquit Arceus. Arceus est le dieu des Pokémon. Arceus créa alors l'espace et le temps. En même temps, il créa l'univers. En créant l'univers, se créa en même temps 18 plaques, représentant les 18 types actuels de Pokémon. Et pour régner sur l'espace et le temps, il créa Dialga pour le temps et Palkia pour l'espace. Mais quand Dialga et Palkia se sont créés au tréfonds du néant et des ténèbres, au-delà de la vue de Palkia qui répand l'espace, se créa un troisième être qui n'est rien d'autre que Giratina, aussi appelée Giratina. Notamment dans le film, Giratina, le gardien des cieux. Mais qui est Giratina ou Giratina? Qui est-il? Giratina est en fait un Pokémon qui règne sur l'antimatière. Donc, le contraire de Dialga et Palkia, qui eux règnent respectivement sur la matière. Giratina, répandant l'antimatière, s'est alors fait bannir par le créateur, c'est-à-dire Arceus, dans le monde distorsion. Un monde où la gravité est moindre. Un monde qui sera, vous allez le voir dans le prochain épisode, très très mystérieux. Depuis, Giratina, ou Giratina, ou inversement, reste dans le monde de distorsion et rêve d'affronter un jour Arceus. Or, même s'il l'affronte, il ne gagnera pas. Car Arceus, ou Arceus, Orsos ou Arcus, a des plaques qui permettent à lui de ne plus jamais être battu ou affronté et de perdre. Car c'est le dieu des Pokémon, il est donc invincible. Passons alors à un autre sujet. Arceus, ou Arceus, on va dire Arceus pour cette série, a alors créé la planète Terre avec le système solaire. Vous allez voir, on va en parler dans le prochain épisode. En attendant, je vous dis au revoir, portez-vous bien. Attention, Giratina, parce que il est dangereux. Hein. Et je vous dis en attendant, encore une fois, au revoir. Bon allez, il faudra que je travaille sur le prochain épisode après moi. Ciao.